Bonsoir, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Ce vendredi, on va parler de la Tunisie et regarder un peu les 100 jours de pouvoir de Kaïs Saïd, le président tunisien. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Kaïs Saïd aura passé ce vendredi 100 jours au pouvoir et lui-même a déploré l'absence d'un nouveau gouvernement près de 4 mois après les élections. Une situation qui a propulsé ce néophyte du pouvoir au centre du jeu politique, mais l'a empêché d'imprimer sa marque au sommet de l'État. M. Saïd, 61 ans, qui avait jusque-là pratiquement fermé ses portes, les portes du palais de Carthage aux journalistes, a répondu jeudi soir en direct aux questions de journalistes, une première depuis sa prestation de serment le 23 octobre. Le chef de l'État, critique du système parlementaire partisan, a assuré qu'il n'avait aucune intention de former un parti politique. Alors, Mamadou Diouf, la situation de Kaïs Saïd après 100 jours de pouvoir, est-ce enviable? Sa situation n'est pas enviable et ce n'est pas par hasard qu'il est en train de critiquer le système parlementaire tunisien, puisque il a une partie du pouvoir et l'autre partie du pouvoir se trouve entre les mains du Parlement. Puisqu'avec le système actuel de la Tunisie, il a vraiment les mains libres au niveau de la démocratie, de la diplomatie, au niveau de la défense et au niveau de la sécurité. Alors que si vous voyez ces trois portefeuilles, si je peux les appeler ainsi, à part la sécurité, ces trois portefeuilles ne sont pas les premiers soucis des Tunisiens. Ces trois portefeuilles ne sont pas les raisons pour lesquelles les Tunisiens avaient organisé les révolutions. Le vrai problème était un problème social, c'était un problème économique, c'était le chômage, etc. Et sans gouvernement, le président de la République ne peut pas faire grand-chose à la matière. Et c'est pourquoi il pose ce problème du régime parlementaire. Même pendant la campagne, il avait posé ce problème. Il est revenu là-dessus. Il croit qu'il faut augmenter les pouvoirs du président de la République. Parce que sans ses pouvoirs, malgré qu'il soit passé 100 jours au palais de Carthage, il n'a pas pu faire grand-chose. Alors, monsieur Kaïs Saïd, c'est quand même un professeur d'université de droit, si je ne m'abuse, qui connaît très bien le système avant de se lancer. Oui, mais il a trouvé le système sur place. Il a toujours été un critique de ce système. Et même pendant la campagne électorale, il a critiqué. Ce qu'il a dit lors de la rencontre avec la presse hier soir, c'était pas du nouveau. Il l'avait déjà dit parce qu'il ne posait pas le problème seulement par rapport à lui. Une des choses qu'il disait et qui se révèle vraie, est-ce que la Tunisie peut se payer le luxe d'un régime parlementaire? Et aujourd'hui, il est en train d'avoir raison. Ennahda a échoué. Ils n'ont pas pu mettre en place un gouvernement. On a un deuxième premier ministre qui est là. Dans 15 jours, il doit pouvoir mettre en place un gouvernement. S'il ne met pas en place un gouvernement, il est en mesure de dissoudre l'Assemblée, d'organiser à nouveau des élections. À quel prix? Pendant que les Tunisiens, la demande sociale, le problème du chômage, tous ces problèmes sont là, est-ce qu'on va utiliser encore des milliards pour organiser une élection législative dont l'issue est encore incertaine, parce que tout le monde s'attendait à cette situation au niveau des législatives. Depuis les élections municipales, tout le monde avait vu comment il y avait un morcellement d'abord des partis politiques eux-mêmes et ensuite une sorte d'émergence de plusieurs indépendants qui avaient vraiment mélangé l'échiquier politique habituel qui était dirigé par deux partis. Alors, le système politique tunisien est tel, et vous l'avez rappelé, que le président ne s'occupe véritablement que des questions de sécurité et des affaires de la politique étrangère. Est-ce que sur ces deux chantiers, il a déjà imprimé ses marques? Pas véritablement. Sur la sécurité, on peut le dire, parce que depuis qu'il est là, quand même, les attentats qu'on connaissait et autres, on n'en a pas vu sur les 100 jours. Au niveau de la diplomatie, il n'est pas sorti de la Tunisie, sauf lors du décès du sultan au niveau d'Oman. À part ça, il n'est pas sorti. Il prévoit une visite en Algérie, puisqu'il avait déjà dit depuis longtemps que sa première visite, il va la consacrer à l'Algérie. À cause des élections et un peu des incertitudes, la visite n'avait pas encore eu lieu. Mais il a beaucoup reçu, surtout sur la question libyenne. Erdogan y est allé avec cette visite surprise
comme les journalistes l'avaient appelé. D'autres également, ils sont allés, le ministre français des Affaires étrangères, puisque la Tunisie est à la frontière de la Libye. Il a eu quand même une prise de position assez forte par rapport à la conférence de Berlin. Il a boycotté parce qu'il a été invité très tardivement. C'est comme si c'est au dernier moment qu'on s'est rappelé que la Tunisie se trouve à côté de la Libye. Et il a trouvé que l'invitation était tardive, il n'est pas allé. Donc il n'a pas encore posé des pas extraordinaires, mais on voit déjà l'image de ce, j'allais dire, de ce souverainiste. Parce que quand il parlait à la télé pendant la campagne, il insistait sur l'indépendance de la Tunisie. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de montrer avec ses premiers pas au niveau de la diplomatie. Est-ce qu'on peut valablement, après 100 jours, définir le président Kais Saied comme quelqu'un qui a envie de bouger, mais que le système empêche? Oui, on peut dire que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, parce qu'au niveau des médias tunisiens, en faisant le bilan de ces 100 jours, il y a au moins unanimité sur deux choses. C'est quelqu'un d'intègre, ce qui est extrêmement important pour cette Tunisie après révolution, puisque la corruption faisait partie des problèmes. Deuxième qualificatif que tout le monde lui reconnaît, c'est quelqu'un qui est engagé pour la Tunisie. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui peut bien faire pour la Tunisie, mais sans un gouvernement, on a du mal à savoir c'est quoi sa politique économique, on a du mal à savoir quelle politique il va avoir sur le plan social, d'autant plus qu'il n'a pas de parti. Et comme vous l'avez dit, il n'envisage pas de créer un parti. S'il avait un parti, on peut aller regarder qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le manifeste du parti pour savoir quelle direction il va prendre, parce que ça fait partie des incertitudes aujourd'hui. On ne sait pas quelle direction le président va prendre. Et l'incertitude était là pendant la campagne électorale. Je me rappelle sa réponse. On lui avait dit, mais on ne sent pas dans ce que vous dites un programme. On vous voit défendre des principes, la participation des populations, etc. On ne sent pas un programme. Il avait tout le temps répondu en disant que c'est le peuple qui doit faire le programme. Et le programme, c'est ce que le peuple veut. Donc sur ce plan-là, jusqu'à présent, il n'y a pas d'éclaircie pour qu'on sache quelle est la direction que le président va prendre exactement. Mais aujourd'hui, qu'on le voit en exercice, est-ce qu'on ne se rend pas compte que le fait de n'avoir pas une formation politique qui aurait pu lui assurer peut-être une majorité au Parlement est un blocage pour lui? Mais si, tout le monde l'avait dit. Les gens se disaient même qu'il va peut-être s'allier avec Ennahda, puisque Ennahda avait très tôt dit pour le deuxième tour, on va voter pour le président Kais Saied. Et il n'y avait pas eu de discussion, il n'y avait pas eu de marchandage. C'est Ennahda tout seul qui avait pris sa décision sans pour autant aller rencontrer le président de la République pour discuter sur, après l'élection, comment on va se partager les choses. Ce geste avait été interprété, les gens se disaient qu'Ennahda veut garder sa position de faiseur de roi que Ennahda avait auparavant. On s'attendait à ce qu'après, qu'il y ait un rapprochement. Mais il n'y a pas eu de rapprochement parce que, comme il l'a répété hier soir, il dit qu'il n'est pas dans une logique de création d'un parti politique. Et ça va lui mener la vie dure parce que, quoi qu'on dise, pour gérer un État, cet appareil politique est extrêmement important. Puisqu'on a besoin d'avoir autour de soi des sociologues, on a besoin d'avoir autour de soi des gens qui sont des économistes, on a besoin d'avoir des juristes, on a besoin de plusieurs task forces. Et c'est ça qui permet au président de la République, sur des questions concernant le pays, d'avoir une expertise avérée, à partir de laquelle il prend des avis pour se prononcer sur un certain nombre de questions. Mais s'il veut gouverner la Tunisie de façon solitaire, il risque d'y avoir beaucoup de ratés, bien qu'il soit un professeur d'université. Il est agrégé en droit, c'est un constitutionnaliste, il ne peut pas être agrégé dans tous les autres domaines. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on perçoit aujourd'hui une doctrine Kais Saied? La seule chose qu'on perçoit, et qui parfois fait peur, il a un conseiller qu'on appelle Lénine, c'est-à-dire une sorte de retour vers ce marxisme. Et ça se voit avec... Quand il parle de démocratie participative, il dit qu'il faut retourner organiser le pays, il faut l'organiser à partir des quartiers. Pour ceux qui connaissent bien le marxisme, c'était ça, ce travail à la base, comme on l'appelle. Il y a cette ligne qui est là, mais qui n'est pas très claire, comme on le voit tracé de façon claire dans le marxisme-léninisme dont son conseiller était un fervent partisan pendant fort longtemps. Il y a un deuxième aspect, on le considère comme un conservateur. Mais même dans ça, on le voit conservateur parce que sur un certain nombre de questions, la question de l'héritage, la question de la dépénalisation de l'homosexualité, il a pris des positions claires, fermes en disant non.
Mais même dans ça, chez les conservateurs, ce n'est pas seulement des positions ayant trait à la doctrine sociale. Il y a des positions sur le plan économique, il y a des positions sur d'autres plans qu'on ne ressent pas encore chez lui. Il y a un autre également collier qu'on lui met autour du cou. On le considère comme étant proche des islamistes sur un certain nombre de prises de position, bien que là également, les islamistes, on connaît leur programme, on connaît ce qu'ils proposent sur le plan social, sur le plan politique. Donc, encore une fois, pour le moment, qu'est-ce que Saïd propose de façon globale comme politique pour la Tunisie? Il n'y a pas encore un document qui a été produit, ni par lui-même, ni par ceux avec qui il travaille. Et le gouvernement n'étant pas à l'œuvre, on aurait pu, à travers un gouvernement à l'œuvre, sentir qu'ils sont plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche, plutôt vers le libéralisme, mais on n'a rien devant nous pour pouvoir le dire. Mais est-ce qu'avec ce président, la Tunisie ne risque pas pour les 5 ans de son mandat d'avoir quelqu'un qui tout le temps dit « je veux travailler, mais je n'y arrive pas parce que le système m'empêche de le faire » ? En tout cas, s'il se met dans cette posture, les Tunisiens ne l'accepteront pas. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il a été très bien élu. Avec le second tour en particulier, avec plus de 72% des voix. C'est 72% de voix, c'est 72% d'espoir. Et les Tunisiens attendent un résultat, non pas à partir de son élection, qui fait aujourd'hui 100 jours, mais les Tunisiens attendent un résultat depuis la révolution. Et ce résultat n'est pas encore là. Donc non seulement les Tunisiens vont lui réclamer ces 100 jours, mais ils vont lui réclamer également l'attente qui était là avant la révolution. Donc, une telle excuse, je ne crois pas que ça va passer devant les populations tunisiennes, puisque, en tant que constitutionnaliste, en tant que professeur de droit, il savait parfaitement, au moment où il s'engageait dans la campagne électorale, que ses pouvoirs étaient limités à la sécurité, à la diplomatie et à la défense. Ce n'est pas une réforme qui a été faite bien après, c'était ça la réalité de la constitution tunisienne. Alors, en même temps, il devrait aussi se rendre compte que le système a toujours été ainsi, mais d'autres chefs d'État ont pu agir. Oui, si on regarde l'ancien président Essebsi, c'est ce qu'il avait fait. Pour pouvoir agir, il s'était allié à Ennahda. Pourtant, son parti avait été créé pour faire échouer Ennahda. On avait regroupé, comme on dit, c'était un regroupement hétéroclite avec des gens qui surtout étaient contre les islamistes de Ennahda. Mais arrivé sur place, Ennahda était majoritaire au niveau de l'Assemblée. Il y avait une difficulté à pouvoir gouverner. Il a accepté de s'allier avec Ennahda pour pouvoir gouverner. Avec lui, c'est ce qu'on s'attendait, qu'il le fasse avec Ennahda, qu'il le fasse avec Halb Tounis. Mais s'il ne veut pas le faire, même le gouvernement qu'il risque de mettre en place va être un gouvernement instable. Parce qu'il suffit que cette entente qui permet de reconnaître le Premier ministre, d'accepter le gouvernement, que cette entente soit remise en cause, on sera en train de chercher encore un nouveau Premier ministre ou d'organiser de nouvelles élections législatives. S'il faut gouverner de la sorte, la Tunisie risque d'aller dans une instabilité. Et quand il menace, par exemple, de recourir à la Constitution, c'est-à-dire en dissolvant le gouvernement, il n'est pas non plus sûr que s'il le fait, il aura une quelconque majorité favorable au Parlement. C'est tout le problème. Il n'a pas de parti. Les indépendants sont des indépendants. C'est vrai qu'il y a une émergence assez intéressante des indépendants au niveau de la Tunisie depuis les élections municipales. Mais aujourd'hui, c'est Halb Tounis, c'est Ennahda qui sont les plus gros partis au niveau de l'Assemblée, bien qu'aucun des deux n'obtient la majorité au niveau de l'Assemblée. Si on refait des élections, est-ce que ces partis vont progresser? Est-ce que ces partis vont régresser? Qui aura la majorité? Parce que tant qu'il n'y aura pas une majorité, refaire des élections nous ramène dans la même situation. Il va falloir composer avec une coalition hétéroclite qui va être une coalition instable. Il n'a pas encore la solution et je ne crois pas qu'il va se presser de dissoudre l'Assemblée. S'il avait un parti, à la limite, oui. On dira que peut-être comme il est devenu président, généralement, ça peut influencer les élections législatives. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause. C'est vendredi, c'est le sport. On reçoit notre invité sport tout à l'heure.